Stéphane Bleus. Ce Belge au passé mystérieux a détourné des dizaines de millions d'euros. Génie de la finance ou escroc machiavélique? Ces 10 000 euros sont devenus 50 000 euros. Mais très vite, en l'espace de 4 mois. Il m'a dit, un jour, j'ambitionne de devenir trésorier de la Banque du Vatican. Stéphane Bleus, un fou de Dieu aux nombreuses faces cachées. Je l'ai rencontré quand il s'est présenté comme candidat pour devenir prêtre. Il était capable de faire croire à des gens qu'il était musulman. Les plus grandes familles catholiques lui ont confié leurs économies. Mais qui se cache derrière ce véritable caméléon? Il y a chez cet homme-là un tel pouvoir de séduction. Je me suis dit, ce type est fou. Tout simplement, j'ai pensé qu'il était fou. Notre enquête va vous faire découvrir l'incroyable parcours de Stéphane Bleus, un véritable personnage de roman noir. Il avait parfois l'habitude de faire rire tout le monde dans des endroits qui sont dédiés au sexe en groupe. No doubt, he's a crook, just a clever crook. L'avenue Louise à Bruxelles. Dans la version belge du Monopoly, c'est la rue la plus chère du royaume. C'est ici, dans ce quartier, que se concentrent les magasins et les hôtels haut de gamme. Un cadre exclusif, avec ses maisons de maître et ses immeubles de prestige. C'est dans cet environnement luxueux et rassurant qu'une arnaque de haut vol a pu croître et embellir. Un décor idéal pour appâter les investisseurs, jusqu'à l'effondrement fatal. Au centre du jeu, un certain Stéphane Bleus. Stéphane Bleus, c'est un peu l'élève de Bernard Madoff, le redoutable escroc américain qui purge une peine de 150 ans de prison pour avoir détourné plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il m'avait toujours dit que Madoff était un imbécile. Imbécile qui a quand même bien réussi. Qu'on pouvait beaucoup mieux faire. Une première estimation parle de 100 millions d'euros détournés par Stéphane Bleus. Mais tout ce dossier baigne dans un épais mystère. Tout comme le personnage central. Un homme fort pieux, dit-on, qui n'hésite pas à se vanter de ses relations avec Monseigneur Léonard. Je l'ai rencontré il y a un peu plus de 23 ans, quand il s'est présenté comme candidat pour devenir prêtre. C'était un personnage un peu curieux, parlant toujours un français exquis, recherché, un peu trop poli à mon sens, un peu trop obséquieux. Il ne m'appelait jamais Monseigneur, mais Excellence, enfin, de manière... enfin, voilà, les gens ont le droit d'avoir leur style. C'est un catholique traditionnaliste et même réactionnaire. Hein. Anti-moderniste, attaché aux valeurs traditionnelles. Stéphane Bleus, plus catholique que le pape. Une image qui lui permet de courtiser et de capter ses clients parmi les familles chrétiennes conservatrices et fortunées. Le système est relativement simple. Stéphane Bleus propose d'investir dans des fonds luxembourgeois créés par lui et dont il vante les hauts rendements. De fait, les premiers clients perçoivent de gros intérêts. Ils sont aux anges. Le bouche à oreille fait le reste. Et les nouveaux déposants au portefeuille bien garni se pressent au portillon. Stéphane Bleus gère ainsi des millions d'euros, grâce auxquels il finance sa société d'édition, réalise des opérations caritatives ou monte un groupe de médias. Autant de vitrines qui lui permettent d'encore accroître sa notoriété. Dans quelle cagnotte Bleus puise-t-il l'argent? Principalement dans ses trois fonds de droit luxembourgeois. Optimum Partem, Gamma Trading et Pegasus, dont les rendements s'envolent selon lui à du 25%. Ces trois fonds grand-ducaux ont le statut de SPF, Société de gestion de patrimoine familial,
le véhicule financier idéal, puisqu'il est discret et surtout exonéré d'impôts. De quoi séduire des investisseurs subjugués par Stéphane Bleu. Nous étions impressionnés par le bienvenu. Et on a discuté avec lui, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent, comment il a eu la capacité de gérer l'argent mieux que les autres. Et il a discuté un petit peu son système. On a discuté environ 200 000 €. Et, oui, c'est bon, ce n'est pas un problème avec une somme comme ça. Stéphane Bleus et sa société de gestion ValueAxis vont faire fructifier les 200 000 € de M. Spoors. Tout semble aller pour le mieux. Les performances boursières sont au rendez-vous et les perspectives de plus-value annuelle s'annoncent remarquables. Les rapports précis et détaillés sur papier de luxe ont de quoi rassurer même les clients les plus prudents et attentifs. Il est vrai que Stéphane Bleus a toujours accordé un soin quasi obsessionnel à sa stratégie de communication. Quand j'ai lu ça, j'ai comparé le prix des actions dans le rapport avec les marchés financiers. C'est, tout va bien, c'est parfait. Hein? Les autres gens qui ont eu le bénéfice, ils ont retiré l'argent eux-mêmes. À cause de ça, nous étions rassurés. Stéphane Bleus, c'était la tête du système, mais il y a aussi les jambes. Durant plus de 10 ans, Xavier Barniche a étroitement collaboré aux multiples activités de Bleus. C'était son bras droit, son homme à tout faire. L'un devait s'occuper de la gestion, c'était Stéphane Bleus. Moi, beaucoup plus de tout ce qui était secrétariat, dossier, plaquette de présentation. Bleus et son équipe sont installés dans de luxueux bureaux avenue Louise. Il est vrai que pour mettre en confiance la clientèle, il convient de soigner les apparences. Nous étions 363 avenue Louise, où nous avions 3 appartements, dont l'un des appartements était réellement un appartement. C'était l'appartement d'apparat dans lequel nous étions reçus. Et nous étions reçus dans un salon, avec une salle à manger, avec des œuvres d'art. La société Paragon et sa petite sœur Axe Louise sont les principales vitrines de la constellation Bleus. Relations publiques, internet, projet de radio, une nébuleuse au financement plutôt alambiqué. C'était un grand mishmash. C'est-à-dire que, oui, effectivement, Paragon au début devait avoir 2 ou 3 personnes, pas plus, pour les médias, et avoir son propre capital à louer, mis sur un compte qui trade banque Belgique au nom de Paragon. Paragon, à ce moment-là, gère son capital, tire des bénéfices dont une partie de ceux-ci, à ce moment-là, paye effectivement toutes les charges, notamment des employés. En somme, quelque chose qui crie pas vengeance au ciel dans un mode de fonctionnement. Et pourquoi donc crier vengeance au ciel lorsque, dans le giron de Paragon, on trouve aussi une maison d'édition consacrée aux publications d'inspiration chrétienne, les éditions romaines. Sa luxueuse librairie se trouve, elle aussi, avenue Louise. Une librairie inaugurée et bénie en grande pompe par le nonce apostolique en personne, Monseigneur Giacinto Berlocco. Les très catholiques éditions romaines publient aussi les œuvres d'un psychanalyste franco-belge de renom. Il sera même particulièrement choyé. Il est vrai que des membres de la famille de l'écrivain ont confié de l'argent aux Madoff belges. C'était des types investis, c'était des types impliqués. Donc il y avait toute une équipe autour de lui qui était mais vraiment magnifique. Et par rapport aux autres éditeurs, je peux vous dire que c'était un plaisir de travailler avec eux. Les éditions romaines, une société d'édition assez particulière où Stéphane Bleus décide de tout. Et un beau jour, j'ai Stéphane Bleus qui arrive avec une grosse pile d'imprimés en disant « C'est le prochain livre des éditions romaines, Bynes ». Bon, il se trouve que, coup de bol, ce livre est excellent. Maintenant, savoir si c'était des grands succès en librairie qu'on s'est arraché à des dizaines de milliers d'exemplaires et où Amélie Nothomb a tremblé, non. Il a fait éditer de nombreux livres qui ne seront lus par personne parce qu'ils n'intéressent personne. Il a par contre payé des droits d'auteur importants à une seule personne pour donner le change. Donner le change, c'est un des rôles des éditions romaines. Et quand Monseigneur Léonard en personne est invité sur place, il participe, sans le savoir,
à une stratégie de mystification. Il m'a invité à visiter une librairie qu'il avait créée à Bruxelles. Je trouvais ça assez audacieux de créer une librairie religieuse. Mais enfin, j'ai vu qu'elle existait, cette librairie. Et alors, à l'occasion de cette visite, il m'a fait visiter également les bureaux qu'il occupait, avec tout un personnel. Bon, je me suis dit, tiens, apparemment, il a bien réussi dans la vie. Mais c'est un grand privilège de recevoir la visite de Monseigneur dans des bureaux qui sont quelque part anodins. Comment expliquer cet honneur fait par l'archevêque? Parce que je le connaissais, donc son parcours a priori m'intéressait, puisque je l'avais connu dans un passé déjà lointain. Puis il avait paru dans le journal dimanche un article très élogieux à son sujet, signalant tous ses projets sur le plan des médias, une télévision, web, etc. Donc ça m'a paru être quelque chose de sérieux. Le public cible de Bleus, c'est la communauté catholique belge. Ce n'est donc pas une surprise si ce généreux mécène vient au secours des grandes orgues de l'église Saint-Mucien-Marie à Mellet, près de Charleroi. C'est une fondation spécialisée dans le mécénat culturel, Prométhéa, qui contacte les responsables de l'église. Voilà des mois qu'ils recherchent des fonds pour terminer la restauration de l'instrument. On m'a mis en rapport avec Prométhéa et un jour on m'a dit, voilà, nous avons quelqu'un pour 15 000 euros, c'est Paragon. Et j'ai reçu en trois fois 15 000 euros, en trois mois différents, 15 000 euros. Et puis j'ai signé un contrat avec eux. Et on m'a dit que c'était un holding financier qui était d'abord établi au Luxembourg et qui s'était un peu rapatrié en Belgique. Stéphane Bleus devient donc le bienfaiteur de l'église Saint-Mucien-Marie, le saint préféré de Monseigneur Léonard. Pour le primat de Belgique, ce financement vient peut-être d'une bonne intention. S'il a réalisé une promesse, c'est plutôt bien. Il faut voir avec quel argent il l'a fait, mais au moins, apparemment, il avait promis de le faire et il l'a fait. Maintenant, d'où ça venait, ça, je n'en sais rien. Mon Dieu, c'est un petit peu embêtant. S'il y a des gens qui pâtissent d'avoir prêté de l'argent et que cet argent m'a servi à moi à faire quelque chose qui est quand même convenable, décent, dans un monument classé, ramener, le mettre en valeur, ça m'embête pour ces gens-là, sincèrement. Et pourvu d'ailleurs qu'on ne me demande pas de rembourser. Stéphane Bleus, l'homme qui distribue généreusement l'argent des autres, nous en avons retrouvé la trace dans une surprenante archive de la RTBF. Ce soir, c'est lieu public. Nous sommes en 2002. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le sujet d'aujourd'hui ? J'aimerais prendre la parole au nom de l'Église catholique. On va laisser la parole à cette dame. J'aimerais prendre la parole au nom de l'Église catholique. Monsieur, vous... Eh bien, je demande à l'Église catholique d'abord d'écouter Madame Mathilde. Un instant, non, vous vous taisez et vous laissez la parole à Madame. Oui, merci ce témoignage. On va écouter la personne qui voulait parler au nom de l'Église catholique maintenant. S'il vous plaît. On vous écoute, monsieur. L'Église défend évidemment le respect interreligieux. Et quelque chose qui est extrêmement dommageable ici, c'est qu'on a parlé de tout sauf du bien commun. Le problème, c'est que l'on confond le symbolique avec le factuel. Comme on a fait pour l'Église catholique avec ceci, j'espère qu'on le voit avec ceci, en prenant un crucifix et en l'assimilant à la croix gammée. On ne peut pas faire ce genre de choses, ni avec le croissant musulman, ni avec l'étoile de David, ni avec les symboles francs-maçons, ni avec les symboles laïcs. Il n'avait reçu aucun mandat pour cela, mais il avait effectivement une grande culture. Culture un peu orientée, très traditionnelle, mais une vaste culture. Et quelqu'un qui savait s'exprimer avec beaucoup d'aisance. Stéphane Bleus, mais qui est-il vraiment? Il prétend être orphelin. En fait, il est né à Kinshasa, de père inconnu. Peu après, Noël Bleus, sa mère rentre en Belgique. L'enfant sera confié à sa grand-mère qui habite Arcimon, en province de Namur. Déjà à l'époque, le curé de la paroisse trouvait le jeune Stéphane très particulier. Quand il avait 10 ans, il avait déjà une réputation
de garçon très intelligent en maths surtout, mais en même temps un garçon qui racontait n'importe quoi pour se mettre en valeur. C'était invraisemblable. Et alors, je me suis rendu compte, dès les premières conversations, qu'il était affabulateur. Après ses humanités à l'internat de Floreff, Stéphane Bleus fait son entrée au séminaire Saint-Paul, à Otigny. Il a 18 ans. Stéphane Bleus est entré au séminaire en septembre 91. Mais ma première impression est que c'était un garçon qui n'était pas tout à fait en ordre dans sa tête. L'année académique débute à peine lorsqu'un drame survient. Alors les choses se sont précipitées quand il est venu un lundi matin me dire que sa maman était décédée. Et je lui dis quand, comment ? Et puis après un certain temps, est-ce qu'on peut les rendre visite ? Et quand est-ce que ça va être les funérailles ? Réponse, non, tout est en ordre, c'est fait. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais vu Stéphane Bleus encore samedi midi. Stéphane Bleus a menti. Sa mère est bel et bien vivante, mais il la déteste au point de souhaiter sa mort et d'en inventer les funérailles. Le mensonge révélé, Stéphane Bleus est aussitôt mis à la porte du séminaire. Il s'installe sur le campus de Louvain-la-Neuve où il tire le diable par la queue. Stéphane Bleus est toujours fauché. Il essaye d'emprunter, à l'époque c'est encore les dernières années, des francs. Il essaye d'emprunter 500 francs à gauche et à droite en assurant qu'il va revenir, qu'il va au banc contact au coin de la rue et qu'il revient. Et puis on ne le voit plus pendant 3 jours, bien sûr. Au tournant des années 2000, Bleus quitte Louvain-la-Neuve pour monter à la capitale. Son quartier de prédilection, c'est déjà celui de l'avenue Louise. Mais on en est encore à l'époque vache maigre et boule de cristal. Quand je le retrouve à Bruxelles quelques années plus tard, je constate qu'il gagne de l'argent d'une façon tout à fait minable, comme un, disons-le, comme un petit escroc, puisque il lit l'avenir dans une boule de cristal, et qu'il a une boule de cristal, ou en tout cas, qu'il a les accessoires de l'astrologue, et que des personnes lui téléphonent pour demander l'avenir. Est-ce que mon mari va revenir? Est-ce que mes affaires vont s'améliorer? Et alors, il dit, téléphonez-moi dans 10 minutes, n'oubliez pas mon virement, ou de m'envoyer 200 francs. Et puis il fait une tasse de café, il touille dans la tasse, et puis la personne retéléphone. Votre mari va revenir, par contre pour vos affaires, je suis plus inquiet. Avez-vous bien fait mon virement ? À la même époque, Bleus s'occupe aussi d'une petite association catholique qui organise des conférences. Son nom, Quantum. Une ASBL taillée pour Bleus. Les statuts ratissent large et s'inspirent des règles monastiques avec des punitions et châtiments à la clé. Si un membre désobéit aux conclusions de l'Assemblée Générale annuelle, il est frappé par une juste peine déterminée par le Conseil d'administration. Il tenait toute une série de conférences régulières. Le lundi, c'était des espèces de cafés philo où on parlait plutôt de sujets liés toujours d'une manière ou d'une autre à la culture catholique. Il organisait des dîners également. Je me souviens qu'à ce moment-là, au temps de l'association Quantum, il y avait déjà eu un dîner avec Mgr Léonard. J'avais trouvé sympathique qu'il ait fait son chemin de la vie, réalisant donc des événements littéraires. Donc j'avais revu à cette occasion-là. Si le jour, Stéphane Bleus avait Mgr Léonard pour modèle, la nuit, il prenait la peau d'un tout autre personnage, fréquentant les quartiers les plus chauds de la capitale. Mais une fois que les portes étaient refermées le soir, qu'on était dans des environnements plus sombres, alors non, sa vie se révélait à ce moment-là. La révélation, c'était plutôt à ce moment-là. Il fumait beaucoup à l'époque, il a arrêté très tôt, il buvait beaucoup, il savait faire la fête. Il avait parfois l'habitude de faire rire tout le monde dans des endroits qui sont dédiés au sexe en groupe. À la même époque, Stéphane Bleus, ce soldat de Dieu habitué des lieux de débauche, va confesser son attirance pour le domaine financier. Cela à la grande surprise de Pascal de Roubaix, ex-sénateur et ancien banquier. Il n'était pas du tout financier quand je le connais, il n'y connaissait strictement rien. Il a appris ça par après et il a trouvé ça passionnant. Évidemment, le jeu financier, c'est quelque chose qui lui convient très très bien. Mais en attendant, il n'a pas le capital, donc à part regarder des cours et acheter l'écho de la bourse, il ne savait pas faire grand-chose avec ses connaissances. En tout cas, grand-chose de bien pratique.
L'intérêt de Stéphane Bleus pour la haute finance va subitement être comblé. En 2003, il croise Jean-Michel Daguenet, un spécialiste des fusions-acquisitions. D'abord, on a parlé philosophie, on a parlé sciences occultes, et là, on a eu un terrain d'échange et de conversation importante. Il m'a tapé d'un peu d'argent, c'était en euros, je pense, c'était 300, 400 euros, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il en avait besoin pour un loyer, ou parce qu'on lui refusait, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a déballé à Jean-Michel Daguenet, effectivement, son intérêt pour la finance, et que ce dernier a rebondi. Et un jour, il me rappelle pour me dire, est-ce que vous savez que moi, je gère de l'argent, et je gère de l'argent depuis très longtemps, avec assez grand succès. J'ai dit, bon, écoutez, on va regarder, montrez-moi. Afin de tester les compétences concrètes de Stéphane Bleus, Jean-Michel Daguenet va lui confier la somme de 10 000 euros. Donc on a gentiment évolué sur les 18 mois. C'était devenu tout à fait étonnant comme résultat. Donc documenté, hein, avec bordereau. Il n'y a pas d'arnaque là, à ce niveau-là. Jean-Michel Daguenet est bluffé. Il trouve des investisseurs et suggère à Bleus de créer une société à Londres. Nous sommes en 2004. Créer une société financière, ça se fait qu'à un seul endroit en Europe en ce moment, c'est en Angleterre. Ça ne peut pas se faire ailleurs compte tenu des législations, compte tenu enfin, le plus simple, c'est Londres. J'ai simplifié. Donc je l'ai emmené à Londres, voir des avocats avec qui on a constitué la première société. Dans ce projet de Sirius, il y avait Jean-Michel Daguenet qui devait s'arranger pour que Sirius ait les agréments, pour pouvoir à ce moment-là accueillir des investisseurs, les faire investir donc dans cette société et ses capitaux produire de la plus-value. Sur papier, Sirius a fort belle allure. Les documents présentés aux investisseurs potentiels inspirent confiance. En plus, les profits réalisés par Stéphane Bleus semblent remarquables. C'est un système d'observation des cours. Il anticipait la baisse ou la hausse. Pour vous dire, à une époque, on a fait 800% de résultat. 800%, 8 fois la mise, un résultat incroyable et pourtant possible, comme le confirment les spécialistes en gestion boursière. Si vous achetez ce type de contrat, ce type d'exposition, et vous voyez que la bourse, comme on a eu quelques bonnes années de suite, si vous voyez que mois sur mois, la bourse monte de 2-3% par mois, si vous êtes convaincu que cette tendance peut durer encore quelques mois, par exemple, là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans beaucoup de mise, en fait. 800%, ce n'est pas absurde. Non, c'est pas absurde. C'est possible. C'est possible. Et le risque ne fait pas peur à Stéphane Bleus. Il veut faire cavalier seul et débarque Jean-Michel Daguenet, son mentor. Le 16 février, et là, ils avaient tout déménagé, les gars. Pendant la nuit, ou je ne sais... Oui, j'imagine que c'est pendant la nuit, puisque j'étais pas là. Bleus et Barniche. Oui, Bleus et Barniche, sûrement. Bleus éjecte Daguenet, mais garde Sirius et sa clientèle. Nous sommes en 2004. Une nouvelle société est créée à Londres. Value Axis. L'ancrage anglais, pas spécialement pour des questions de manipulation ou de choses du genre. C'est que tout bêtement, les sociétés anglaises, il ne faut pas de capital pour commencer. Et donc déjà, à ce moment-là, on n'en avait pas spécialement beaucoup. Mais en attendant, c'est quand même très rapidement vers le Luxembourg que l'installation s'est faite et pas l'Angleterre. La façade internationale de Bleus est en place. Les investisseurs affluent, littéralement envoûtés par le nouveau gourou belge de la finance. Ces sociétés, les gens qui travaillent pour lui, ses chauffeurs, ça, c'est vrai que ça porte confiance en fait. On se dit, ce type est très riche, il y a beaucoup d'argent en jeu. J'ai été scotchée, il a un discours incroyable, il arrive à embobiner les gens, c'est un génie, mais aussi un malade. En attendant, les investisseurs n'y voient que du feu. Ils sont aveuglés par les rendements promis par le gourou belge qui demeure particulièrement attractif. En plus, le pouvoir de persuasion de Stéphane Bleus est impressionnant. Il prétend pouvoir atteindre des objectifs à l'échelle planétaire, et cela malgré le krach financier de 2008 et la méga escroquerie de Bernard Madoff. Je me rappelle très bien à Bruxelles dans un resto où il m'a dit, Monsieur Wilquet, je crois que c'est la fois où il a été le plus sincère, il m'a dit, Monsieur Wilquet, moi il y a une chose qui m'intéresse, c'est de conquérir.
c'est conquérir. Je suis quelqu'un qui conquiert le monde. Mais avant de conquérir la planète, Stefan Bleuze diversifie le champ de ses activités. Grâce à l'argent de ses clients, il investit dans l'immobilier. Il s'offre des magasins et des restaurants. C'est à ce moment que les choses vont se compliquer pour lui. Les comptes de Paragone intriguent l'inspection spéciale des impôts, la redoutable Easy, qui descend sur place. C'est un contrôle qui a été un contrôle, je veux dire, minutieux. C'est-à-dire que l'inspectrice passait vraiment compte après compte, demandait à comprendre tout. Cette fois, la chance est avec Bleuze. Lizzie épluche ses comptes, mais curieusement ne trouve rien d'anormal aux dépenses de la société Paragone. Puisqu'il y avait une myriade de sociétés, on pouvait dire, voilà, l'argent rentre dans une société ou dans plusieurs sociétés à Luxembourg. L'argent est versé vers des sociétés en Angleterre ou encore ailleurs. Et la Belgique, qui sert de porte-avions ou de flagship, se trouve dans un système de dépenses. C'est Lizzie a pu croire éventuellement ce genre de choses, au début. Néanmoins, je sais qu'un juge commissaire, plutôt un juge consulaire, dans le cadre des enquêtes commerciales, a lui déjà décelé le poteau rose en 2012. Et il a averti le parquet. Et curieusement, le dossier lui est revenu, non pas une fois, mais trois fois. Le fisc est floué. Pour séduire les investisseurs, Bleuze augmente encore ses dépenses. Il engage certains clients dans le staff de Paragone. J'ai entendu par la famille que Bleuze cherchait un directeur pour sa société Paragone, pour gérer l'équipe, pour gérer la petite société qui est aussi dedans Paragone. On a eu un petit entretien d'embauche dans un grand hôtel, le Crown Plaza à Liège. Il m'a demandé comment vous allez demander pour ce boulot-là. J'ai dit OK, pour un boulot comme ça, c'est entre 3000 et 4000 bruts. Il m'a dit OK. Je pense que 3000, ce n'était pas assez. Il m'a augmenté le salaire. C'était un bon salaire, un salaire de 4000 net chaque mois. Je crois que vous devez vous rendre compte que nous étions dans l'esprit d'un gourou. Et l'esprit d'un gourou, c'est d'avoir une secte. Il devait donc avoir autour de lui toute une espèce de cour de béni-oui-oui qui devait, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que sa parole était celle d'un dieu. Mais le banquier de Dieu n'est pas infaillible. Fin 2013, la mécanique connaît des ratés. Le personnel de Paragone est payé avec retard et les investisseurs commencent à s'inquiéter pour leur capital. Stefan Bleuze va leur faire des cadeaux, du très beau papier qui rassure. On a entendu quelques bruits qui courent, des gens un peu inquiets, mais j'ai parlé avec Bleuze en disant il a les rumeurs, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a rassuré sur le téléphone, il m'a appelé. OK, ce n'est pas un problème. Pour rassurer, il a dit, je vais offrir à tous les clients le titre dans la société Pegasius. Et on a reçu deux certificats avec une valeur, je pense, de 20 000 euros. 20 000 euros sur du luxueux papier qui en met plein les yeux. Nous avons soumis les documents offerts par Bleuze à un spécialiste. Son regard aiguisé va en révéler la vraie nature. Vraiment, premier abord, celui-ci me semble un papier. Vraiment, ça me semble très clair, c'est de la photocopie. En plein. Qu'on parle d'aussi bien du frisé, aussi bien du noir ou du rouge. C'est une photocopie. La seconde, c'est que un imprimeur, ça lui demande pas plus d'imprimer bien ou d'imprimer pas bien, dans le sens où vous avez une impression noire qui est de travers, de 3 mm. C'est une indication typique au digital. Ce sont deux grosses indications que le noir a été fait en digital. Ouais, sorti d'une imprimante de particulier, maison. On peut très bien sortir ça sur une bonne imprimante de particulier de maison, qu'on vend dans le commerce, n'importe où. Oui.
Début 2014, Bleus est au bord du gouffre. L'ONSS exige le paiement immédiat des cotisations sociales de Paragone. Et au même moment, plusieurs investisseurs viennent retirer leur capital. This is long enough, and I want my money back with the interest. Can you please find Mr. Bleus and let me speak to him? And we didn't know where Bleus was, so... Mais Stéphane Bleus a déjà pris la poudre d'escampette. Avec son chauffeur kosovar et sa limousine de location, il taille la route. Avant de quitter le territoire belge, il donne un rendez-vous discret à Xavier Barniche, son fidèle bras droit. Stéphane Bleus m'a téléphoné le matin de ce jeudi pour me dire « voilà, prends des affaires, on s'en va ». On se retrouve sur un parking d'autoroute qui était sur, du côté de Nivelles, enfin sur l'autoroute à l'envers Mons. Et là, il me dit... viens, il est seul, là Non, ben, lui ne sait pas conduire. Donc, fatalement, il est venu avec un chauffeur. Moi, je suis venu avec un chauffeur. Et il disait, on part. Moi, j'ai dit non. La discussion n'aboutit pas. Les deux associés se séparent à Nivelles. Alors que Stéphane Bleus disparaît avec son chauffeur direction les Balkans, Paragone est déclaré en faillite. Et Xavier Barniche se retrouve seul face aux employés et aux curateurs désignés. Et ce monsieur Barniche nous raconte une histoire invraisemblable. Et ça commence par un long monologue dans lequel il nous explique combien il a été victime d'une situation qui le dépasse complètement et qui met bien des gens mal à l'aise. C'est lui qui parle pour la première fois d'une escroquerie. Si les premières informations parlent d'une escroquerie de 100 millions d'euros, le montant exact reste inconnu. D'après les estimations du curateur, les sociétés de Stéphane Bleu sont certainement perdues 20 millions d'euros. C'est pas bien difficile pour brûler 20 millions. Il suffit d'engager beaucoup de personnel, de bien les payer, de payer des appartements de fonction, de payer des chauffeurs, de payer des bureaux joliment équipés et de faire travailler ces gens, soi-disant, sur des travaux qui ne servent à rien et encore faire des œuvres caritatives sur le côté. It now appears to have been the money that the clients put in, and he used that money to maintain the appearance of a successful business, paying people out of money that came in. A classic Ponzi scheme. Ponzi. Carlo Ponzi, le célèbre escroc italo-américain. Dans les années 20, il avait escroqué des milliers d'épargnants en leur promettant des taux d'intérêt mirobolants. Des affaires Ponzi, il y en a toujours, et il y en aura malheureusement toujours. C'est le système le plus simple et c'est le système qui est aussi vieux que celui de l'existence de la monnaie. Il suffit de payer des intérêts avec l'argent des nouveaux investisseurs et vous avez un Ponzi. Stéphane Bleus et son système Ponzi ont fait beaucoup de victimes parmi les catholiques belges, mais on n'en connaîtra sans doute jamais le nombre exact. À titre personnel, avez-vous perdu de l'argent à cause de Bleus? Ah non, je n'en ai pas reçu alors qu'il l'avait promis. Mais non, je n'ai rien perdu, je n'ai jamais investi. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose pour investir. J'essaie de ne jamais posséder plus de 10 à 15 000 euros. Oui. Stéphane Bleus, quant à lui, reste introuvable. Tel Fantomas, son héros préféré, il disparaît des écrans radars. Il nous disait toujours, un jour je disparaîtrai comme Fantomas, et il ajoutait un nouvel épisode de la série Fantomas, le dernier épisode, l'ultime épisode de Fantomas, ce serait Fantomas à Montevideo. C'était sa grande obsession. Il nous disait qu'il avait été plusieurs fois rendre visite à des amis à Montevideo, que c'était un endroit fabuleux, qu'on pouvait y forniquer comme avec des garçons très jeunes et qu'on pouvait planquer son argent, qu'il y avait beaucoup de SS, donc c'était un milieu qu'il faisait fantasmer. Ni palmier, ni croix gammée pour Stéphane Bleus.
En fait, il trouve refuge à Anvers, chez un ancien amant, dans un quartier d'habitation sociale. Bleus n'a plus un sou en poche. Sa clandestinité va durer un mois. Suite à une dénonciation, le gourou de la finance est cueilli par la police dans l'appartement de son ami. Direction la case prison. Je l'ai visité pour savoir s'il avait un avocat. Et j'ai été vraiment déçu parce qu'il n'avait plus cette superbe, il n'avait plus cet éclat dans les yeux et cette confiance en l'avenir. On peut le comprendre, mais je pensais que taillé dans le drap rugueux de la vie et étant un personnage qui avait connu toutes ces épreuves, eh bien non, c'était... C'était comme un animal blessé qui se blottit dans un coin du parloir des avocats. Et c'était quelqu'un d'abattu. Durant sa détention, Bleus va passer à table. Il déballe tout. Mais il a une stratégie de défense. Charger ses anciens clients investisseurs. C'est ce qui apparaît dans un courrier que nous avons pu nous procurer. Mais 60 pages de déposition ne seront point de tout repos pour ceux que l'on qualifiera peut-être de co-auteurs de blanchiment. On ne connaîtra jamais le chiffre exact des sommes détournées par Bleus. Très peu de victimes ont déposé plainte, préférant rester discrètes sur l'origine de leur patrimoine. L'escroc, lui, connaît une véritable descente aux enfers. Un sort qu'il avait prédit à tous ceux qui courent derrière le pouvoir absolu. La preuve dans cet enregistrement exclusif, où il donne une consultation astrologique. Sur ce coup, ses dons de voyance se sont révélés exacts. L'ivresse du pouvoir et de la chair devient telle que ce n'est plus le Père Céleste qui tient les commandes, et ces gens, à un certain moment de leur existence, basculent et deviennent des êtres cruels, manipulateurs, pervers, et ces gens finissent en terminent une vie dans une richesse épouvantable avec tout ce qu'ils veulent sur le plan sexuel, et au dernier moment, clac, c'est l'effondrement final.